Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve sur le test de Super Adventure Island, sorti sur SNES en 1992, développé par Produce et édité par Hudson. C'est un jeu qui est sorti assez tôt sur la console et c'est la suite des aventures de Master Higgins dans Adventure Island, sorti sur NES, Adventure Island 1 et 2. Alors l'histoire de cette licence, vous la connaissez sans doute, mais je vais vous la résumer assez rapidement. À l'origine, Hudson décide de faire un clone de Wonder Boy, tout simplement Wonder Boy, sorti sur arcade et Master System, et dont les droits sur les personnages appartiennent à Sega, Hudson possédant quant à lui le moteur du jeu, le code du jeu. Du coup, ils sont obligés, pour éviter un procès fort coûteux avec Sega, de modifier les personnages, et c'est comme ça que naît le personnage de Master Higgins, Takahashi Meijin, dans la version japonaise, qui est tout simplement un employé de Hudson, dont on a décidé en fait de reprendre les traits physiques pour ce personnage de Master Higgins. Et ce personnage de Takahashi Meijin, c'est devenu non pas seulement l'icône du jeu, mais une vraie icône du jeu vidéo, parce qu'il participait au Caravan Hudson. De par une de ses principales caractéristiques, c'était de pouvoir appuyer jusqu'à 16 fois par seconde sur une même touche, ce qui le rendait quand même assez fort, notamment à tout ce qui est shoot'em up, les jeux de type shoot'em up qui sont, comme vous le savez, un des genres privilégiés de la firme Hudson. Pour tous les détails concernant cette histoire, je vous invite à vous référer à l'excellent bouquin de Florent Gorge, L'histoire de Takahashi Meijin, paru aux éditions Pix & Love. Il vous en apprendra beaucoup plus que moi, je pense, sur cette licence de Adventure Island. Donc ici, on est sur Super Adventure Island. Et comme vous le voyez, vous venez de le voir, l'histoire du jeu, c'est tout simplement notre ami Master Higgins qui coule des jours paisibles avec sa petite amie. Et un magicien arrive et décide de la transformer en pierre. Et bah, notre héros, il va tout de suite démarrer l'aventure pour aller dire deux mots à ce magicien et lui expliquer combien il est difficile d'assurer sa dépendance avec une compagne d'origine minérale. C'est pas évident. On va lancer une partie pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Superbe effet en mode 7. Vous verrez, le jeu est une démo technique de la console puisqu'il est sorti assez tôt. Donc tout de suite on arrive avec ce personnage de Master Higgins. Comme vous le voyez, c'est un personnage qui adopte une posture de course, mais qui ne saute pas très haut, pas très loin, et qui ne... Vous voyez, petit saut. Dès qu'on court, on peut sauter un peu plus haut, mais par contre, on a une rigidité assez évidente. Donc ça va être contrebalancé par ça, le super saut, qu'il faut faire en utilisant bas et saut. Vous voyez, on saute beaucoup plus haut, et le saut est lui-même accentué... Merde. Le saut est lui-même accentué par la posture de course. Dès qu'on se met à courir, ça va mieux. Le skateboard, donc le skateboard, c'est un truc qu'il y aura dans certains niveaux. C'est une sorte de point de vie supplémentaire. On se déplace plus vite et surtout, hop là, on peut toujours faire le super saut avec le skateboard. On se déplace plus vite et si on se fait toucher, on meurt pas. Il faut savoir, c'est un jeu en one shot. C'est-à-dire que dès qu'on se fait toucher, voilà, vous voyez, on se fait toucher. Là, je suis pas mort parce que j'avais le skateboard, mais dès qu'on se fait toucher, on perd une vie. Donc c'est assez particulier, c'est assez arcade, c'était déjà le cas dans Wonder Boy. Wonder Boy aussi, il y avait déjà le skateboard, donc ça c'est une reprise stricte du système de jeu de Wonder Boy. La seule nouveauté, c'est la maniabilité du personnage qui est légèrement différente, et aussi le super saut. J'allais dire le double saut, c'est pas un double saut, c'est un super saut. Là, vous voyez, on arrive déjà au 1-2. Vous allez voir qu'on va déjà avoir des phases de plateforme. Je vous expliquerai le système d'armes rapidement, en fait, un petit peu plus tard. Là, vous avez remarqué que mes projectiles ont changé et là, je me suis viandé. J'aurais dû attendre que la plateforme soit complètement à droite. Donc, bah, je vais vous expliquer le système d'armes hein, tout de suite. Donc, vous voyez, là, je récupère. Là, j'ai pas d'armes. Vous voyez, je peux pas. Je démarre le niveau, j'ai rien. Je récupère un boomerang. Dans le jeu, on a deux armes, le boomerang et le marteau. Ce qui change, c'est la trajectoire. Le boomerang, on a la possibilité de tirer en l'air, tirer tout droit. Et vous voyez que c'est un projectile qui revient. On va se mettre au bord, on va attendre. Voilà, pas très dur, hein, mais il faut prendre le coup parce que c'est assez rigide. Hein. Voilà. On a le marteau qui a une trajectoire en cloche et le boomerang qui permet de tirer tout droit ou en l'air. Et selon les ennemis, selon les situations, ce sera bien d'avoir l'un ou l'autre, sachant qu'on ne choisit pas. C'est le jeu qui nous propose des bonus qu'on est libre de prendre ou pas. Là, vous voyez que j'ai récupéré le marteau et comme c'est ma quatrième arme, je crois que j'ai récupéré. Ça devient des projectiles de feu, donc ma puissance de feu est multipliée.
la trajectoire est toujours la même. Donc faut savoir que quand vous récupérez des armes, au départ vous pouvez lancer qu'une seule arme du type que vous avez récupéré. Et plus vous en récupérez, plus vous pouvez en lancer un nombre important. Jusqu'à 3. Hein. 3 simultanément, comme vous le voyez ici. Voilà. Jusqu'à 3 simultanément, là je change d'arme, mais je peux toujours en lancer 3 boomerangs. Hop, voilà. Donc la puissance, ce sera utile notamment pour les boss. On les tuera plus vite si on a l'arme de feu. Par contre, l'arme de feu, on la perd dès qu'on meurt. On retourne au niveau 0, on n'a pas d'arme. Et il faudra récupérer les armes qu'on voudra bien nous donner. C'est pour ça qu'il y a des armes un petit peu partout, parce qu'il y a des checkpoints dans les niveaux. Et on démarre en général un tout petit peu avant une arme. Heureusement. Voilà. Hop. Donc, faudra éviter de foncer. C'est un jeu où faudra vraiment éviter de foncer. Il faudra bien doser ses sauts. Et il faudra bien faire attention à ce qu'on fait. Le système de vie. Je vous ai dit, un hit, une vie. Par contre, vous savez qu'on a une barre jaune tout en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est comme dans Wonder Boy. C'est la barre de vitalité. Elle se vide petit à petit. En fait, c'est une barre de fatigue. Elle se vide petit à petit. Et il faudra, pour la remplir, récolter des fruits. Merde, j'aurais pas dû prendre ça, j'aurais dû garder les boomerangs, c'est plus simple avec eux. Voilà. C'est plus simple avec eux. Une petite saloperie, là. Voilà, vous voyez que je peux vous montrer, normalement, voilà. Les armes de feu peuvent détruire les rochers. Les rochers nous font pas mal, mais par contre, ils nous... Ah, ces rochers-là, si. Les rochers qui sont au sol, ils nous font trébucher. Et pendant qu'on trébuche, on est on est dans une posture où on ne contrôle plus son personnage. C'est-à-dire qu'il trébuche tout seul. On peut pas le récupérer. Et donc, s'il y a un ennemi juste derrière, c'est galère. On va arriver au boss. Donc, la barre de vitalité, je vous ai dit, si elle baisse au fur et à mesure qu'on se déplace, en fait, c'est une sorte de timer caché. Hein. Il n'y a pas de timer dans le jeu, mais cette barre de vitalité, c'est une forme de timer. Si on prend trop son temps et qu'on récupère pas assez de fruits, comme ça arrivera dans certains niveaux un peu tricky, eh ben on peut mourir de faim, tout simplement. Le premier boss, je vais essayer de le bourriner pour le passer rapidement. Lui, ah ouais, c'est bon. Voilà. Donc lui, en fait, vous n'avez pas vu beaucoup, en fait, mais il fallait éviter les flammes qu'il lançait au sol en faisant un super saut. Et le bourriner dans la tête. Donc ça, c'est, vous avez vu, il est extrêmement rapide à battre quand on a l'arme de feu. Quand on a une arme normale, le boomerang, on peut le shooter par le dessous, mais ça marche pas bien. C'est le plus efficace, c'est de faire des super sauts et de le shooter avec le marteau. Le super saut, par exemple, est une technique obligatoire pour ce boss. On va arriver au haut de 1. Qui va y avoir ces saloperies de pingouins. Vous voyez, pareil, hein, là, je conserve mes armes, mais si j'avais recommencé du début, je recommençais avec une arme de base. Hein. Skateboard, c'est parti. Il faudra essayer de le garder, le skateboard, ça permet d'enchaîner un niveau. Les niveaux où il y a le skateboard, c'est des niveaux qui sont faits justement pour être rapides. Faire attention à eux, hop. Oui, on peut pas le shooter. Ah voilà, ça permet aussi de passer cet ennemi-là qui est blindé. Mais par contre, là, j'ai un peu merdé. Je vais beaucoup mourir dans cette vidéo parce que c'est un jeu qui est déjà pas évident. Ah, vous voyez ici, c'est le piège. On n'a pas d'arme. L'arme, elle est là. Donc là, il faut attendre que ce mec-là, il passe. Et hop. On a un ennemi, mais on n'a pas d'arme. Donc on doit l'éviter. C'était déjà une des difficultés dans Wonder Boy. Quand on mourait, la difficulté, c'était que parfois, on mourait. Alors là, lui. Voilà, il faut se baisser. Il faut attendre qu'il baisse sa garde. Waouh. Vous voyez? Là, j'ai lancé mes deux boomerangs. Je pouvais plus tirer, j'étais obligé de l'éviter. Hein. Donc ça, c'est aussi une des difficultés. C'est que parfois, on aura tendance à bourriner et nos armes seront parties ailleurs et nous, on pourra plus tirer sur un ennemi qui nous attaquera au corps à corps. C'est un jeu qui a l'air tout bête, tout con, mais qui est énormément tactique. Il faudra éviter de bourriner, il faudra éviter d'aller trop vite et surtout, il faudra bien doser, notamment lors des phases de saut, parce qu'on a tout simplement une rigidité qui fait que parfois, on tombera alors qu'on avait l'impression que ça passait, mais pas du tout. Plateforme qui bouge, tout ça. Vous voyez, ça paraît pas très rapide, mais on a vite fait de se viander. Hein. Hop, toujours du super saut.
Là, ça va aller un peu mieux avec les boomerangs. Là, vous voyez, faut éviter de foncer parce qu'il y a lui. Et il y a lui. Au niveau graphique, vous voyez que le jeu est superbe. Pour un début de vie de la console, c'est une pure réussite. C'est une démo technique. Vous le verrez, il y a quelques effets de transparence, quelques effets de zoom en mode 7, vous avez déjà vu. Il y en aura d'autres. C'est une belle démo technologique de la console. Tous les niveaux ne sont pas égaux. Hein. Il y a des niveaux plus beaux que d'autres. Le niveau de la mine, je pense pas que je vous le montrerai, mais c'est un des plus beaux du jeu. Là, on va voir un niveau d'eau avec quelques petites distorsions. C'est assez sympa. Donc le jeu fait honneur à la console pour son début de vie. Il y a très peu de ralentissement. Vous avez vu, il y en a eu un tout petit quand j'ai approché le premier boss. Et je ne suis même pas certain que c'est pas un ralentissement qui est dû à l'émulateur et pas au jeu. J'ai pas vérifié. Mais globalement, c'est un jeu qui est fluide. C'est un jeu qui n'a pas de souci de ralentissement. C'est une vraie véritable prouesse technique pour un début de vie de la console. Et musicalement, vous remarquez que le jeu, c'est un jeu qui sent le soleil. C'est un jeu qui sent les vacances. C'est des musiques assez tendance reggae, assez tendance musique hawaïenne aussi un petit peu. C'est un mélange des deux. Donc c'est de la musique, c'est une musique qui appelle, c'est vraiment une musique qui sent les vacances, qui sent le soleil, qui sent la plage. C'est des musiques assez cool en général, assez, c'est pas des musiques agressives, voilà, c'est des musiques assez cool et qui sentent bon les vacances. Et c'est des musiques qui ont été, faut que je parle un bon français, ce sont des musiques qui ont été composées par le maître Yuzo Koshiro, qu'on imagine pas forcément sur console Nintendo, mais là c'est le cas. Ce qui explique l'excellence de cette bande-son. Par contre, vous avez vu, au niveau intro, c'est assez minimaliste. Le jeu démarre juste avec le logo du jeu, sans musique. Un petit peu à l'ancienne, un petit peu comme ce qu'on faisait sur NES. Vous aviez beaucoup de jeux qui démarraient comme ça, avec juste un menu. On arrivait direct sur le menu, il n'y avait pas de musique. Et le jeu commençait vraiment, la bande-son ne commençait vraiment que in-game. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose sur Super NES, on a eu énormément de jeux qui avaient de belles intros par la suite. Les RPG, mais pas seulement, hein. Là, évidemment, ici, en début de vie de la console, c'était pas encore devenu une habitude. Ils nous proposaient des intros quasi cinématographiques, des intros chiadées avec notamment tout ce qui était jeu inspiré des animés. Je vous l'ai montré avec le test de Ghost Sweeper Mikami. Bon, bah ça n'existait pas à l'époque. Là, on va attaquer le deuxième boss, qui, vous allez voir, est d'une facilité déconcertante, sachant que les boss ne sont pas tous égaux sur le plan de la difficulté. Vous en avez quelques-uns comme celui-là que vous allez voir et le boss du niveau 4 qui sont assez simples, qui n'ont pas des patterns compliqués. Et lui notamment, ça passe au bourrinage, vous allez voir. Le tout, c'est de ne pas se faire toucher par les tentacules. On se met en bas, on bourrine. Eh merde, je me suis fait toucher. Vous voyez, il clignotait déjà à fond, donc il allait bientôt crever. Par contre, je me suis laissé emporter par mon élan. Donc là, je reprends au checkpoint du niveau précédent. Niveau précédent, le boss, on reprend pas directement au boss, on reprend au niveau juste avant. C'est toujours comme ça. Donc, faut espérer que le niveau ne soit pas trop dur. Hop, attention là, ouais, bon, c'est bon, il a touché. Faut faire gaffe, hein, parce que vraiment ici, c'est un niveau qui est simple, mais si on se laisse emporter par son élan, ou si par exemple on veut récupérer un bonus et on descend trop dans l'écran. Oh là là, voilà, c'est bon. Vous voyez, eux ils sont chiens, ils reviennent. Donc il faut les tuer soit à l'aller, soit au retour. Hop, le gros pingouin, le morse, c'est un morse. Voilà, donc ça va être un petit peu plus long, mais normalement ça devrait aller quand même. Faut quand même pas me foirer au deuxième niveau. Faut savoir que c'est un jeu que j'ai du mal à vous faire en live, même si là pour l'instant ça va encore, mais ça risque d'aller un peu moins bien à partir du niveau 3. Donc voilà, c'est pas un jeu qui est facile, c'est un jeu sur lequel il demande beaucoup de concentration. Voilà. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. C'est un jeu au niveau de la replay value qu'on va refaire bien volontiers. Alors là, faut que je fasse gaffe, il va me balancer une merde. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est un jeu, du point de vue de la rejouabilité, c'est un jeu qu'on refera avec plaisir. Par contre, c'est un jeu sur lequel on perd rapidement la main. Il faut savoir que vous y jouez plusieurs heures d'affilée, vous allez bien maîtriser les niveaux, vous allez certainement le finir.
Par contre, vous y jouez le lendemain, ça va encore. Par contre, vous y rejouez 6 mois après, bah, faut le temps de reprendre en main et puis il faut le temps de se souvenir des pièges, des ennemis à certains endroits. Donc c'est un jeu qui est sur lequel on perd énormément la main. Ah merde. Ouais, j'ai récupéré l'arme de feu parce que c'est ma 4e arme. Encore une musique sympa. Eux, c'est des cons. Vous voyez, ça c'est un niveau d'ascension, on y va doucement, mais il faut pas oublier que le compteur il tourne, hein. le compteur de fruits et légumes il tourne. Hein. N'oubliez pas les enfants, 5 fruits et légumes par jour. Hein. Les enfants et les adultes d'ailleurs. Alors c'est pas ici qu'il y a des bonus cachés, non bon. Parce que des fois quand vous tirez dans le vide, ah si c'était là, vous voyez, là il y avait des ananas. Hein. Ah non, c'est bon. Je me laisse surprendre des fois. Donc là ça va, au niveau fruits et légumes ça va. Je sais à peu près où se trouvent les ennemis mais on se fait avoir parce qu'ils ont parfois des trajectoires un petit peu en ellipse, un petit peu aléatoire. Il est où le machin? Il est là. Voilà. Donc ça va encore. Ah bah attendez, le niveau de la mine c'est où? C'est dans ce niveau là ou c'est dans le niveau d'après? Je sais plus. On verra bien. Vous verrez bien. On va essayer d'aller... on va pas aller jusqu'à la fin du jeu, ça c'est clair. On va essayer d'aller le plus loin possible. Ah déjà, ce niveau-là, il est sympa, vous voyez. Quelques effets de brume. Ah, alors, ces cons-là, si on les laisse aller au sol, ils crachent des flammes. Surtout, vous voyez, ils ont une trajectoire en fonction du vent. Merde, j'ai plus le... J'essaye de tirer en l'air, j'ai plus le boomerang. Vous voyez, un niveau assez sympa, ces petits effets-là. Bon, il y en avait dans Super Mario World, par exemple. Excusez-moi. Ah, merde, c'est des cons, ça. On récupère des bananes. Encore un niveau sur lequel il faut essayer de garder le plus longtemps possible le skateboard. Merde, c'est raté. Là, eux, très important, les mecs masqués, là, il faut bien se baisser parce que la lance, elle passe au-dessus de notre tête si on se baisse. Les pires, c'est pas eux, les pires, c'est ceux qui lancent, enfin, ceux qui ont un bouclier qu'on a vu dans le niveau précédent. Il y a un niveau, il y en aura un peu partout. Je crois que c'est niveau 4. Ah putain, c'est bon. Je sais plus c'est quoi le niveau suivant. Je crois que c'est un niveau de lave ou un... Je sais plus. Ah non, c'est peut-être bien la mine. Bah écoutez, si c'est la mine, c'est bien parce que c'est un niveau qui est assez joli. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Bon, c'est un jeu qui est difficile. Difficile de par sa maniabilité. Après, une fois qu'on a bien pris en main, il est pas si difficile que ça. Moi, au début, je passais pas le premier niveau, par exemple. Tout début que j'y ai joué, je passais pas le premier niveau. Donc ça, c'est dramatique quand même. Hein. Mais c'est une question de maniabilité, il faut bien s'habituer au système du super saut. C'est assez déroutant parce qu'il faut se baisser pour... attention ici, hop. Merde. J'aurais dû attendre qu'il soit vraiment au bout. Vous voyez là, c'est con, c'est que je vais récupérer une misérable arme. Et ces cons-là, ils vont me faire chier, là, eux, par exemple. Bon, en se baissant, on infléchit un petit peu la trajectoire des marteaux. Alors, est-ce que je vais pas me louper, là? Hop, voilà. Mais non! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, d'accord. Donc, un jeu assez difficile, comme vous pouvez le voir, qui dépend beaucoup de la pratique et de la maniabilité. On démarre avec 3 vies, et on a un continu. Voilà, il fallait un petit peu infléchir vers l'avant. Ah bien, et deux d'un coup. Donc une maniabilité qui est délicate et qui fait beaucoup de la difficulté de ce jeu, puisque après on va dire que les ficelles du jeu en termes de plateforme, en termes de level design, elles sont pas non plus. Bah, c'est du connu quoi. Si on tombe sur les rails, on peut marcher dessus. Hein. Voilà. Hop, attention à lui. Putain. Ouais, c'est bon. Heureusement que le boomerang revient quand même. Hein. Le boss de ce niveau, c'est le serpent. Il est très original ce boss. Ça va rappeler de bons souvenirs aux anciens parmi vous, aux plus vieux d'entre vous, qui étaient possesseurs d'une Nokia 3310 à l'époque.
Allez là, hop, je peux très bien y aller à pied, vu que de toute façon, c'est la fin du niveau. Et là, on va se frotter au serpent, vous allez voir, très original. Si vous connaissez, sûrement le jeu du serpent, hein. Bah là, c'est en fait ce boss, c'est le serpent, et on doit rester sur son dos et lui shooter la tête, vous allez voir. Et on pourra se laisser là-dessus après, je pense. Voilà le serpent. Vous voyez, il faut lui shooter la tête. Il nous blesse pas, mais il faut. Alors voilà, ce qui nous blesse, c'est ça. C'est les. J'ai pas fait gaffe qu'il y en avait un là. Premier continu. Vous voyez là, j'en avais deux. Pourquoi? Parce que j'en ai récupéré un au score, tout simplement. On a dû entendre un bruit dans l'un des niveaux précédents. À un moment donné, j'ai chopé un continu au score. Ah, je vais pas me foirer sur le serpent quand même. Merde, le fail. Enfin bon, vous avez vu le boss, je vais essayer de vous le remontrer, mais sinon tant pis. Donc un jeu que je vous conseille pour sa réalisation, c'est vraiment un des jeux du début de la console qui était une démonstration technique. Merde ! Voilà, une démonstration technique des capacités techniques de la console. Démonstration technique des capacités techniques. Ça va aller. Voilà, il n'y a même pas besoin de faire un super saut en fait. Ah ! Ah bon, putain, ils sont chiants, ils sont très chiants. Si on n'a pas les boomerangs, ils sont très chiants. Je vais perdre toutes mes vies ici, c'est génial, c'est super. Le fail ultime. Donc un jeu qui bénéficie d'une excellente réalisation tant au niveau graphique que sonore, qui bénéficie d'un gameplay qui est sympa même si rigide, et c'est vraiment un coup à prendre. Une bonne rejouabilité parce que c'est vrai que quand on n'y a pas joué depuis longtemps, eh ben, il faut le temps de s'y remettre. Comme là, vous voyez, j'y ai rejoué hier soir pourtant. Hein. Je me suis remis dessus hier soir, sachant que j'y avais joué pendant les vacances pour en écrire le test. Putain ! C'est fini là ? Non, c'est le dernier continu. Et j'arrive plus à vous conclure sur ce jeu. Non, un très bon jeu. On va se concentrer, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de dire des conneries. Et je vais essayer tout simplement de vous remontrer le serpent, le boss serpent. Et de le passer si possible. Donc sinon j'y perdrai tous mes continus. Enfin, je les perdrai dans ce niveau, manifestement. Voilà, c'est bon. Ça apparaît rien comme ça, vous voyez, des petits ennemis de merde là, mais ils sont très chiants eux. Quand on n'a pas une bonne cadence de tir, on a tendance à se faire avoir. Pas oublier de récupérer des fruits et des légumes. Hein. Enfin, surtout des fruits, en fait, il n'y a pas de légumes. Le jour où il y a un... Eh merde, putain. Le jour où il y a un Wonder Boy ou un Adventure Island avec des poireaux, vous me prévenez. Hein. Bon, là, je reprends au checkpoint. Bon. Les niveaux sont assez courts. Le jeu en lui-même, il n'y a pas énormément de niveaux. Il y a 5 niveaux. Mais je vous défie de le faire en ligne droite la première fois que vous le... Ah ! La première fois que vous le faites. Vous voyez, c'est stressant, hein. Mais bon, c'est une bonne dose de fun quand même. Voilà, tiens, dégage tout. Et j'ai qu'une seule arme là, j'ai qu'un seul une seule cadence de tir, donc forcément, pas terrible. Hop. Ah, bah, raté, pas grave. Ouf, allez, le serpent. On va se le faire. Et puis on va s'arrêter là, hein, je pense que j'ai tout dit. Donc je vous disais, le serpent, la difficulté, c'est surtout d'éviter de se prendre les flammes qui coulent des trous noirs qui sont là. Vous voyez ces trous-là? Faut bien faire attention parce qu'on a tendance à se concentrer sur le serpent pour éviter de tomber et pas spécialement sur ces trucs-là. Là, il y en a un là, on va l'éviter. Voilà. Il y en a un autre ici, on va passer devant. Merde, non! C'est pas vrai. Ça m'arrive jamais ça. D'habitude je me fais toucher par la lave, mais ça m'arrive jamais. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Donc Super Adventure Island sur Super NES, un excellent jeu que je vous conseille. Un jeu difficile, vous allez... Merde, j'ai pas récupéré l'arme, c'est génial. On peut revenir en arrière, vous voyez quand même. Donc ça c'est pas mal, hop, voilà, mais je me fais shooter. Et là j'ai plus de vie et j'ai perdu, c'est game over. C'est parfait, c'est parfaitement raccord avec la conclusion de ce jeu. Merci à tous, c'était Doc McCoy. Salut!